question. Bon, par rapport à ton enseignement, que ces serpents, ce sont des démons, la Bible dit quand Moïse a touché la queue, le serpent est devenu quoi? La verge. Donc ça veut dire tous les démons sont restés à Jésus. Frère dit, il faut dire, mais, ah, le passé va réfléchir, il dit, ah non, attends. Et oui, et au fait, vous voyez? Parce qu'il n'a pas eu l'écriture. Nous disons Amen, parce que la Bible dit que la mort a été engloutie par la victoire. C'est là où nous disons que là, nous disons aussi Amen par rapport à cet enseignement-là. Ça veut dire que Jésus aussi a englouti la mort chez les pharaons. C'est par rapport au mot englouti, c'est le mot après. Mais quand nous considérons les faits, ces serpents ne sont pas les démons. Moi, j'aime bien vous dire aujourd'hui, j'ai été un serpent. Avant, j'étais une canne, une verge entre les mains des magiciens des pharaons. Mais le jour où Moïse est venu, il a sauté les serpents. Frère. Je suis sorti entre les mains des magiciens. J'ai pris la forme de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir non pas des dieux, non pas nés comme homme, mais nés à l'image faite de notre Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que ces serpents ont pris la forme du serpent de Moïse. C'est comme ça que Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, dont les serpents ouvrent sa bouche, ils viendront dans la bergerie. C'est comme ça que nous sommes entrés en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus attendait? Ou qu'est-ce que Moïse attendait? Il attendait que les derniers serpents puissent entrer dans les portes du serpent. Il y a un monsieur qui a dit, la Bible dit, il faut que cet évangile aille dans les extrémités de la terre. Maintenant, quand il dit extrémité, on lui pose la question, c'est quoi extrémité? Tu vas à Amazonie? Bible, Amazonie, tu vois, il y a encore des gens qui ne connaissent pas les mots. Quand nous disons extrémité, frère, c'est une portion de terre. Aujourd'hui, cette extrémité peut être là. Il accepte la parole pour en sortant d'enlèvement à lui. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc quand nous disons extrémité, ne voyez pas Amazonie qui est Amazonie. Là, il fait frère, il faut amener de l'argent, on va aller à Amazonie, frère, tu vas pêcher. Tu n'as rien compris. Non, on va aller prêcher là-bas parce que la Bible dit, il faut que cet évangile, voilà, avec les Français, foutu d'abord. Nous disons, vous n'avez rien compris avec vos télévisions. Télévision, vous avez des... J'ai entendu une personne qui dit, ici près, nous avons des montagnes de feu. J'ai dit, ah bon? Montagnes de feu. Donc nous prions à fond et nous avons formé même des tireurs. Ils tirent quoi? Ah non, ils tirent des démons. J'ai dit, ah, vous êtes fort. L'évangile que nous annonçons, nous croyons que l'extrémité de la terre, c'est une personne qui va recevoir la parole de Dieu. En dernière minute, il peut être en Europe. Il peut être là aujourd'hui. Donc Jésus attendait que le dernier serpent puisse entrer dans son ventre. C'est comme ça que Moïse, quand il a vu le dernier serpent entrer dans le ventre de son serpent, il vient maintenant pour saisir les serpents à la queue. Saisir les serpents à la queue, c'est quoi? C'est là, c'est la position où les serpents reviennent à la forme virginale, ça veut dire à la verge. Or, nous comprenons, la personne qui va venir saisir les serpents par la queue, pour que les serpents redeviennent la verge, parce que la verge, c'est l'autorité. La verge, c'est Juda. La verge, c'est la direction. La verge, c'est la domination. Or, le prophète qui va venir toucher le serpent pour que le serpent redevienne la verge. Ça veut dire les temps de la grâce est fini. Ça veut dire toute l'église est entrée en Jésus. Ça veut dire l'enlèvement a eu lieu. Tout le peuple de Dieu sont réunis pour aller en enlèvement. Là maintenant, Dieu va redevenir dans sa force. Le prophète qui va faire ça, c'est le désordre. C'est Moïse et Élie. Là, je suis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Posez-nous des questions. Qu'est-ce que je veux dire ici? Bien-aimé, le magicien ici de Pharaon, il y a eu une puissance un jour qui est descendue dans leur territoire. Parce que si Moïse n'était pas parti dans la maison de Pharaon, ce jour-là, tous les magiciens allaient garder leur verge.
Je le répète. Si Moïse et Aaron n'étaient pas partis dans la maison de Pharaon ce jour-là, toutes les verges allaient rester entre les mains de magiciens. C'est pour ça que quand le Christ est venu, Jean-Baptiste va le présenter. Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Quand il dit qu'il ôte le péché du monde, ça veut dire ce qui était entre les mains de magiciens, ils ont reçu la grâce d'être sauvés. Amen. Maintenant, quand les serpents viennent dans la présence de Jésus, c'est par rapport à cet évangile que nous vous avons sauvés. Le magicien ici, ça peut être la vie que tu avais avant. Le magicien ici, ça peut être le monde que tu as fréquenté. Car nous croyons que nous étions autrefois dans les ténèbres, mais il a fallu qu'un jour, celui qui s'est promené dans les territoires de Nephtali et de Zabilon, que c'était le soleil qui a visité le territoire de ténèbres. Or, quand nous disons territoire de ténèbres, c'est Égypte. La vie que tu as, si tu n'as pas encore la lumière, je te dis, avec cette vie que tu mènes, une vie qui ne peut pas t'amener auprès de Jésus, toi-même, tu le sais. Quand tu es devant le miroir, tu te dis, avec cette vie ici, je ne vais pas voir Jésus. Amen. Vous voyez? Quand tu te réveilles le matin, ou après avoir péché, tu confonds que toi-même, avec, je parle de vie, quand je dis vie, ça veut dire tu es retenu, esclave du péché. Ça veut dire le magicien te retient comme une verge. Tu n'as plus de mouvement. Tu es statique. Avec cette vie de péché, si Jésus-Christ n'était pas venu, frère, tu vas mourir en Égypte. Mais gloire soit rendue à Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. Il a accepté d'appeler ce qui lui appartenait, parce que vous allez comprendre une chose, à la croix, quand il a dit tout est accompli, c'est parce qu'il a accompli toute la parole de Dieu, frère. Parce que quand il a fait ce cri là, c'était une façon d'ouvrir sa bouche afin que tous les serpents qui sont entre les mains de magiciens viennent en écoutant cet évangile, frère, entrer dans les ventres de Jésus. La vie que tu mènes là, la vie là, toi-même tu le sais. Et cette vie ne plaît pas à Dieu. Tu as des blocages partout là. Ça marche de fois, c'est comme si en forme de goutte. Tu commences à te dire, ah c'est la famille. Essaie de te voir devant le miroir. Tu avais une vie qui n'était pas digne. Et cette vie-là, tu t'es jamais répandu. Car une personne qui se répand, il doit tourner à son ancienne vie et aller vers un autre chemin. Si tu n'as pas encore retrouvé ce chemin-là, tu es encore esclave entre les mains de magiciens. Le magicien ne t'a jamais rejeté. Il doit te lâcher pour que tu prennes la forme du serpent, la forme de Jésus. Mais si tu es encore entre leurs mains, tu resteras statique, rien ne va marcher. Tu seras un bois. Le but de notre Seigneur Jésus sur la terre, c'était de ramener ses enfants. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous révolutionner en vous-même. Révolutionner complètement.
car ceux qui se révolutionnent, Dieu leur accorde la grâce de vivre la puissance de Dieu. Nous allons nous lever. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ceux qui se révolutionnent voient la gloire de Dieu tomber sur eux. Ceux qui se révolutionnent voient la puissance de Dieu agir dans leur vie. Parce que c'est un Dieu qui dit des choses et cette chose te concerne afin que tu puisses changer cette vie. C'est un Dieu qui a vu la vie de Ananias parce qu'il vivait encore dans le mensonge. Et Dieu a vu ça, il a révélé à Pierre. Et nous croyons que ce Dieu-là, il est toujours avec ses serviteurs. Amen. Nous croyons réellement, les dieux qui a vu Nathanaël sous le bois, Dieu qui ouvre les yeux afin de contempler ce qui se passe dans ta vie, frère. Parce que c'est un Dieu qui te connaît plus que moi. C'est un Dieu, quand il te voit, il veut que tu puisses aller de l'avant avec la force que tu as.